j'arrive, j'arrive. Oh, c'est Claire, Claire, Claire. Comment que ce nom à la bouche. Nous avons tous, depuis quelque temps, des airs de chiens hargneux. Nous aboyons même, harcelés que nous sommes par la peur. L'été, la chaleur, la disette, oh, et tout ce qui s'ensuit. Terrible soleil, le cœur d'été haïtien nous lèche la peau du corps et nous coupe la respiration. Notre sueur coule sans arrêt. Il n'y a plus d'eau dans l'atmosphère et nous brûlons sur place. Ce sont les cyclones que Dieu a déchaînés contre nous pour nous punir de ce que le Père Paul appelle notre impiété et nos faiblesses. Alors nous sommes maudits, car rien ne nous est épargné. Cyclones, tremblements de terre, sécheresses, rien ne nous a fait grâce. Les mendiants pullulent, les rescapés du dernier cataclysme, infirmes, à moitié nus, défilent le long des barrières des maisons. Oh, chacun craint de ne pas les voir. La misère des autres n'a-t-elle pas toujours existé? Depuis 10 ans qu'elle ne fait que s'accroître, elle a à présent le visage figé de l'accoutumance. De tout temps, il y a eu ceux qui mangent à leur faim et que c'est ceux qui s'endorment le ventre creux. La misère, l'injustice sociale, toutes les injustices au monde, et elles sont innombrables, ne prendront fin qu'avec l'espèce humaine. Nous soulageons mais des centaines de souffrances. Peine perdue, nous en voyons éclore des milliers d'autres. Et puis, il y a la fin du corps. Et celle de l'âme. Celle de l'intelligence. Et celle des sens. Toutes les misères. Les souffrances se valent. Toutes les souffrances se valent. L'homme, pour se défendre, a cultivé sa méchanceté. Par quel miracle ce pauvre peuple a-t-il pu rester pendant si longtemps? Inoffensif, gai, hospitalier même. Cela malgré sa misère, malgré les injustices, malgré les préjugés sociaux, malgré nos multiples guerres civiles. Nous nous exerçons à nous entrégorger depuis l'indépendance. Évidemment, les griffes du peuple se sont mises à pousser et se sont acérées. La haine entre nous aînés. D'elles sont sortis les tortionnaires. Ils torturent avant d'égorger. C'est un héritage colonial auquel nous nous cramponnons, comme aux Français. Nous excellons dans le premier et sommes encore médiocres dans le second. Agenouillement sur du sel en grains.
obligation pour les suppliciés de compter les coups qui leur arrachent la peau du corps. Patates bouillantes dans la bouche. Ce sont les moindres châtiments que certains d'entre nous infligent à nos petits domestiques. Véritables esclaves que la famine nous livre et sur qui nous passons notre âme et notre rage. Ah non, non, pas vous. Pas vous. Non, pas nous. C'est toujours les autres. Regardez comme les feuilles tombent des arbres. Elles dansent et tourbillonnent avant de s'aplatir au sol. Comme c'est beau. Les jours passent. La misère du peuple augmente. Mais à chacun son lot, n'est-ce pas? Notre égoïsme est devenu règle de vie. Et nous nous enfonçons de plus en plus dans la lâcheté et la résignation. Mais enfin, à autre chose. Oui, j'arrive! Je m'appelle Claire.
C'est moi, l'aînée des trois sœurs Pianon. Entre chacune de nous, il y a tout juste 8 ans de différence. Nous vivons ensemble dans cette maison, héritage indivis de nos parents défunts. Je suis la seule lucide, la seule dangereuse, et personne autour de moi ne le soupçonne. Mais parce que je suis la vieille fille, celle qui n'a pas trouvé de mari, celle qui n'a jamais connu l'amour, celle qui n'a pas vécu dans le bon sens du terme. À moi, comme depuis toujours, ont été confiés les plus fastidieux travaux. Sont-ils me dire? Alors occupe-toi. Tu n'as rien à faire. Alors occupe-toi. Tu n'as rien à faire. Alors occupe-toi. Et ils me laissent le contrôle de la caisse et les rênes de la maison. Je suis à la fois domestique et maîtresse. Une sorte de gouvernante sur les épaules de qui repose le train-train journalier de leur vie. Et pour me récompenser, chacun me donne de quoi m'entretenir. À mon âge, je suis encore vierge. Ne vous étonnez pas, c'est le lot peu enviable de la plupart des provinciales haïtiennes. Nous portons toutes comme un parfum cette odeur rance de sexe vierge et fermé, serré entre nos cuisses. Dans le monde, d'autres petites villes comme celle-ci, à moitié engluées dans d'ancestrales habitudes, et où les gens s'envient et s'épient les uns les autres. Ils disent « ma ville !» Ils disent « mon pays !» Ce morne cimetière où il n'y a pas d'homme. À part le médecin, le pharmacien, le commandant de district, le magistrat communal, le préfet, le prêtre. Époque à laquelle les préjugés battaient leur plein dans cette petite province. 3 groupes s'étaient formés, qui vivaient aussi isolés l'un de l'autre que des ennemis. Les aristocrates, dont nous faisions partie, les petits bourgeois et les gens du peuple. Élevés par d'absurdes primaires, qui toute ma jeunesse m'avait répété que l'amour était un péché. Cloîtré dans cette maison, enfermé dans cette province que je n'avais quittée que 2 fois pour aller à Port-au-Prince, et escorté de mes parents, je vécus entouré de gens dont la majorité n'était pas plus éclairée que mes éducateurs. Tout en ayant stupidement honte de moi-même, j'appris à refouler mes instincts,
honteux que seule l'Église pouvait absoudre par le sacrement du mariage. Toute intimité avec ceux qui ne faisaient pas partie de la très haute société représentait pour mes parents le déshonneur. Leur étroitesse d'idées m'influence à un point tel que seul existait pour moi ce que nous recevions chez nous. J'ai compris un peu tard, trop tard, que l'acte de l'amour se situe sur le même plan que les autres besoins physiologiques de l'être humain. Tout aussi tard, je me suis rendu compte de l'imbécilité des classifications sociales basées sur la richesse et la couleur de la peau. Les parvenus, les hypocrites. Moi, je vous connais tous. Tous. Inutile d'épier votre intimité. Je sais ce qu'elle est. Toutes les intimités se ressemblent. Pourquoi seriez-vous différent de moi-même? La pureté n'existe pas. Et les besoins de la chair sont l'angulation de la peur nous oblige tous à des comportements anormaux. C'est pourquoi nous nous abritons derrière une façade. Moi, je m'abrite derrière la porte de ma chambre. Elle est fermée à double tour. Je garde la clé dans ma poche. Je n'y reçois personne. J'ai découvert, dans l'horreur de la solitude, que la société ne mérite pas qu'on lui sacrifie un étron. Pas une merde. La société,
s'abrite derrière une barricade d'imbécilité. Elle est la première à estropier la liberté. Naître. Souffrir. Vieillir. Et mourir dans la résignation. Mais tel est notre lot si nous ne secouons pas le joug. Le bonheur est fugace. Il faut fondre une folie pour l'attraper au vol. La vie n'est pas prodigue envers beaucoup d'entre nous. Que m'a-t-elle offert à moi? Que m'a-t-elle offert à moi? Rien. Je n'ai pas su m'imposer. Et elle m'a oublié. Oui, j'arrive. J'arrive, oui, j'arrive. J'arrive. J'arrive.